dirait pas comme ça, mais nous sommes une classe de première dans un établissement agricole à Courcelles-Chaussy, à côté de Metz, en Moselle. Dans le cadre d'une option audiovisuelle, nous devions tourner ensemble un documentaire sur notre vie de lycéen. Mais un virus, on a décidé autrement. Bonjour. Et c'est pendant une réunion Zoom que notre prof nous a finalement demandé de réfléchir sérieusement à un sujet de film ou d'enquête. Dès qu'on pourra en fait recommencer à se voir physiquement, il faudra qu'on attaque le tournage. J'aimerais bien faire un petit tour en fait. Et là, c'est parti dans tous les sens. Axel a proposé l'inévitable sujet sur les animaux. Ce qu'on peut faire sur les chevaux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment. Et Corentin a proposé de parler de sa passion. Les tracteurs, ça pourrait être bien, non? Le prof, lui, nous a suggéré un sujet de prof. On parle pas souvent de l'internat, en fait, de la cantine, en fait. Bref, je me souviens qu'on était mal partis. Et puis, à un moment, Amandine nous a montré deux valises qu'elle avait trouvées. Je suis dans ma grange, et parce que je faisais du rangement. Mais en fait, j'ai trouvé quelque chose, mais je sais pas c'est quoi exactement. Là, il y a une valise. Électronique, non? Oui, c'est il y a des choses électroniques, des câbles, des choses comme ça, des carnets. J'ai vu qu'il y avait une photo, il y a aussi comme une lettre. Après, j'ai pas lu plus que ça. Et surtout cette valise là. Ouais, c'est chelou. Il y a un clavier avec ou pas, Amandine? S'il n'y a pas de clavier branché là ou soudé, ça doit être un super vieux synthétiseur. Et on ferait un exposé sur ça alors? Faut déjà qu'on le voit, ouais. Mais il appartient pas à ta famille, tu sais pas? Non, pas du tout. Vous savez, c'est souvent comme ça que commence un film. Hein. En tout cas, c'est comme ça que tout allait commencer. Dès les premiers jours du déconfinement, les cours ont repris. Devant l'équipe de professionnels venus nous encadrer, Amandine nous a présenté les deux valises. Tu fais quoi là? Je suis en making of. Eh ben ça tourne. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, c'est magnifique. Wow. T'as des infos? Pas du tout. Enfin, j'ai pas essayé de le brancher parce que mon frère m'a conseillé de pas le faire. J'ose pas trop y toucher. Tout ça, c'est des rangées de sélection de sons, de filtres. C'est bel et bien un synthétiseur. Il y a quelque chose à faire, je pense. Et quoi dans la valise? Il y a un carnet, et puis il y a des lettres, il y a des photos. Et après, tu as regardé ce qu'il y avait? Il y a différentes photos, mais... Ah oui! On va laisser toutes les photos en place, ils viendraient chacun votre tour. Idéalement, il faudrait même qu'on les reprenne en photo pour garder une trace, parce qu'il y en a une ou deux qui sont un peu abîmées. Je pense que la valise appartenait à la personne qui a fait le synthé. Il y a un prénom, c'est Louise. Louise Wogzinski. C'est ça, Pays de l'Est. Alors, est-ce que c'est cette Louise sur les photos hein? Peut-être tu as fait des recherches, en fait? J'ai essayé, mais j'ai rien trouvé. Rien du tout? Rien du tout. Ah, il y a même des essais de logo. Là, il reste. Marc Coquet pour le sigle Lumavox. Ah, Louise plus Marc plus Wogzinski. Lumavox. Ça vous dit quelque chose, Lumavox? Non, pas du tout. Je ne sais pas vous, mais il y a une autre question moi, qui me brûle les lèvres, c'est est-ce qu'elle existe encore, hein, cette fille? Angleterre, aux États-Unis. Monsieur, c'est bizarre sur... C'est une lettre en anglais. Ah oui, il y a une lettre en anglais, exact. Ouais. Donc il y a des photos justement avec Louise, qui est en train d'utiliser le sample. On peut peut-être rechercher Louise Wogzinski, si on trouve quelque chose sur son passé. Sur Internet, aucune trace de Louise, de Marc ou du Lumavox. Notre prof nous a conseillé de contacter un spécialiste de l'histoire de la musique électronique. Direction Chalon-sur-Saône, au conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon. Bonjour.
Jean-Marc Weber est professeur de musique électroacoustique. Il était très impatient de nous recevoir. Bonjour. Bonjour. Merci. Lumavox, ça je ne connais pas du tout. On va l'allumer peut-être. Ouf. Ah oui, ben. Il fonctionne en tout cas, il a parlé tout de suite là. Après avoir allumé le synthétiseur, Jean-Marc est resté plusieurs minutes sans nous parler, absorbé par les sons de la machine. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est si on peut brancher un clavier, parce que visiblement ici, il y a une indication clavier. Donc on va prendre un clavier Roland, qui est un clavier de cette période-là. Magnifique, étonnant, ça fonctionne. Très très intéressant, très étonnant. C'est vraiment une reverb à ressort. On peut vraiment imaginer que ça soit français, parce que pour mettre distance, j'avais pas deviné que c'était une réverbération en fait, parce que distance c'est quand même pas le terme habituel, conventionnel. Par rapport à son état général, donc c'est quand même drôlement étonnant parce qu'on n'a pas trop de potentiomètres qui ne fonctionnent pas ou qui crachotent ou de switch qui serait en panne. Ça ressemble quand même plutôt à un prototype parce que les synthétiseurs du marché qu'on achète, ils sont pas écrits avec du feutre. C'est vraiment étrange. Ce qui est aussi étrange, c'est qu'on n'ait jamais entendu parler de cette machine, quoi. Le Lumavox avait repris vie. Très très curieux. Mais nous voulions en savoir toujours plus. Ah, tu filmes encore, toi? Ouais, toujours, le making-of. Grâce à Jean-Marc Weber et à son carnet d'adresses, nous allions franchir une étape supplémentaire dans notre enquête. Bonjour. Cette fois, direction Paris, où le Lumavox avait rendez-vous avec une figure légendaire de la musique électronique. Jean-Michel Jarre avait accepté de tester le synthétiseur. Ça y est, le colis est parti. Vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Je suis tout à fait prêt. Je vais fermer la porte pour éviter le bruit, là, et puis j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que vous avez pensé du synthétiseur lorsque vous avez pu le tester ? L'époque où ce synthétiseur a été construit, c'était l'époque, moi, où j'étais au groupe de recherche musicale, où j'étudiais la musique électroacoustique électronique avec Pierre Schaeffer. Et on était très très loin de rêver à un synthé aussi abouti. Moi, mon premier synthé, je l'ai eu à peu près à la même époque, mais c'était l'AKS, le VCS3, qui avait absolument pas les possibilités du Lumavox, qui est extraordinaire. C'est le son de ce synthétiseur, les possibilités qu'on retrouvera seulement beaucoup plus tard avec Moog, avec ARP, etc. Et d'imaginer que ça a été fabriqué en France, dans un pays qui n'était pas du tout, à cette époque-là, ouvert sur la musique électronique, et que ça soit aussi une femme qui l'ait fabriqué, qui l'ait inventé, est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Pendant ce temps, l'enquête continuait à Chalon-sur-Saône. Louise Voksinski. Où nous avions confié les documents à Jean-Marc Weber. Inconnu au bataillon. À la lecture des documents, la première chose qui saute aux yeux et qui nous intéresse, c'est la date. Bien évidemment, 1968. Donc là, ça nous repositionne historiquement dans une période où la synthèse sonore analogique et la fabrication des synthétiseurs émergent vraiment. Et donc ça, c'est intéressant de savoir que c'était à ce moment-là que ça se passait. L'analyse de Jean-Marc allait nous en apprendre énormément. Tous ces documents sont les pièces d'un puzzle qui raconte la vie de Louise. Pianiste passionnée de nouvelles sonorités, Louise va côtoyer l'avant-garde de la musique électronique expérimentale à Paris pendant ses études supérieures dans les années 60. Durant l'automne 1968,
Louise retrouve ses amies américaines au Mills College de San Francisco, un des hauts lieux de la pop culture de la côte ouest. C'est là qu'elle découvre et expérimente le Bukla, un synthétiseur révolutionnaire. Pour Louise, c'est une révélation. C'est sans doute à partir de cette expérience qu'elle va imaginer son propre synthétiseur. Le Lumavox, c'est un mélange du, en même temps, un peu de l'ARP, du Bukla, du Moog. On sent qu'il y a une influence de pionniers de la musique électronique, mais qui vont développer ce qui existe dans le Lumavox plus tard. C'est ça qui est mystérieux et qui fait de votre trouvaille quelque chose d'historique. Ce qui est étonnant dans ce synthétiseur, c'est le côté gauche ici, où on a le séquenceur muni de 8 potentiomètres et qui est très avant-gardiste pour l'époque quand même. Le générateur basse fréquence peut déclencher le générateur d'enveloppe en même temps que le séquenceur. Il y a des choses curieuses, il y a des choses qui n'existaient pas ou qu'on n'a pas encore aujourd'hui même sur certaines machines. En tout cas, en France, ça ne se faisait absolument pas du tout, pour plein de raisons. Des raisons techniques et puis des raisons aussi financières. Ça coûtait assez cher de développer un appareil comme ça. C'est ça qui est aussi mystérieux. Il y a l'aspect économique aussi. Donc, c'est vraiment d'autant plus extraordinaire. C'est une découverte vraiment extraordinaire. Hello everybody. Hello. How are you today? Parallèlement, certains d'entre nous étaient sur la piste de Louise et Marc. On n'avait rien trouvé jusqu'à ce que Jules ait une idée. We make many search in internet. We change one letter of her name. Last name. Yes, you change the letter V. Yes. Yes, and you turn into w. You turn it into a W and un site internet un peu tombé dans l'oubli mentionnait une Louise Voczinski avec un W. Ce site proposait des sons de relaxation et des trucs un peu bizarres. Ça pouvait coller. En tout cas, c'était une bonne occasion pour notre prof d'anglais de nous faire travailler sur la rédaction d'un mail. Okay, your mission today is to write something to Louise. To know how she feels. What else would you like to ask her? Where is she from? Okay, Sasha, where is she from? You found something. You did find something about her. Cette Louise était-elle bien notre Louise? Connaissait-elle le Lumavox? Que devenait Marc, son frère? Et comment un synthétiseur était-il resté abandonné dans une grange en Moselle pendant plusieurs dizaines d'années? Ce mail, c'était un peu une bouteille à l'océan. C'est Louise Voczinski, comme vous l'avez pu comprendre, qui a créé ce synthétiseur. Et est-ce que vous, ce nom, ça vous évoque quelque chose? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'elle ou pas du tout? Absolument pas, j'ai jamais entendu parler de cette femme. Et c'est une raison de plus de saluer votre trouvaille, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes très importantes dans l'évolution de la musique électronique. Et c'est intéressant qu'on découvre qu'une Française était à la pointe de cette technique, de pouvoir maîtriser la technique, mais en même temps aussi d'avoir la vision d'un instrument, et qu'elle a été une pionnière à ce point-là, que ça soit en France, c'est quelque chose de tout à fait inattendu. Louise, je pense, était plutôt une musicienne, c'est-à-dire que son regard est vraiment vers le côté pragmatique de l'utilisation du synthétiseur, et le technicien a fait son frère Marc, visiblement, qui lui a réalisé techniquement, en termes d'ingénierie électronique, les souhaits de sa sœur pour arriver à ce prototype qui s'appelle le Lumavox. Le 1er mai 1969, le Lumavox produit avec succès ses premiers sons. Louise se produira également sur scène dès novembre de la même année. Non, mais là, voilà, en train de jouer sur Lumavox. Dans les documents de Louise, on découvre également une partition aux notations étranges, onde nocturne. Les dernières pages du carnet montrent que Louise et Marc avaient prévu une fabrication professionnelle et la commercialisation rapide de leur instrument. Puis, tout semble s'arrêter. Pourquoi ça s'est arrêté? Ça, c'est la question qui m'interpelle. Qu'est-ce s'est-il passé entre cet engouement et ce mouvement très serré, finalement, sur 2 ans, là? Le synthétiseur arrive et tout d'un coup, tout s'arrête brusquement et on ne sait pas pourquoi.
Si vous avez des nouvelles de Louise Wogzinski, si vous avez d'autres informations, ça m'intéresse évidemment beaucoup. Pour boucler la boucle, nous avons demandé à la musicienne Fantôme Josepha de travailler sur la partition de Louise, Onde Nocturne. La fin de l'année approchait, et un soir, Fantôme Josepha s'est installée dans l'arboretum du lycée avec le Lumavox. Pour la première fois, une œuvre de Louise. Quelques jours après ce concert, le Lumavox nous offrait une dernière surprise. Sans doute la plus émouvante de cette enquête. Chers amis de France, merci pour votre message. Je pense être celle que vous cherchez. Mon frère Marc est décédé accidentellement en décembre 1970. Il était un génie. Je l'aimais tant. Vous comprendrez que ce drame est une page très douloureuse de ma vie. Une page que j'ai mis du temps à tourner. Ce magnifique instrument était notre rêve à tous les deux, et je n'ai plus jamais voulu continuer ce projet toute seule. Je suis émue de savoir que vous avez retrouvé notre Lumavox. Je ne suis pas surprise de savoir qu'il fonctionne encore. Faites-en bon usage.